Tano est un bel animal, un noble taureau de combat, amigo. Le taureau ne semble pas fatigué. Un aussi noble taureau, c'est déjà une grande consolation. Rivera va placer ses banderilles lui-même. Il prend sa course. De la mort, et Rivera va prendre sa muleta et son épée. L'état est enthousiasmant. Rivera est magnifique. Rivera travaille le taureau de très près. Hey,
touché. La ganse est arrachée. Mais tout va bien. Il va mettre à mort le taureau. Splendide ce gitano, on n'en a jamais vu de pareil. Ses attaques sont nettes, il charge tout droit, mais il garde la tête trop haute, l'épée glisse et n'entre pas. Que les spectateurs demandent l'indulto. Ils demandent qu'on épargne le taureau. Il y a très peu de chances qu'on l'accorde. Le seul indulto dont je me souvienne fut accordé à Monterrey en 1938. Les 15 minutes prévues pour le tertio de la mort sont presque écoulées. Essaye encore. Rivera n'a pas prévu que le taureau chargerait. Trevino attire la bête vers lui et Rivera se relève. Rivera n'a pas été atteint. Gitano est d'une bravoure sans pareille.
Là-bas, dans la loge du président, tous les officiels sont en conférence. Attention, Céline Boulto, le président vient d'accorder la grâce du taureau. Gitano. Maintenant, nous allons vivre. Gitano, mon cher bohémien, nous allons vivre.